Trois voitures de Maroc qui arrivent. Ça arrive, ça tape. Mais Marasa, venez par derrière, venez par derrière, parce qu'ils vont aller par devant et on fait le tour, nous. Venez où je suis. Voilà, suivez-moi. Écoute, les graines c'est chez nous, à partir de maintenant, là c'est bon, vous allez terminer le travail, vous allez partir. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer quelques graines dans le kitchen. Mais y'a pas, on vient d'arriver, y'a pas. Le problème, c'est que là, on te voit sur nos graines et tu travailles quoi. Déjà, exceptionnellement, aujourd'hui, on va te laisser travailler tranquille. Mais la prochaine fois qu'on te voit, ça va très très mal se passer. Ça marche, perfecto. Tout ce que j'ai à te dire, c'est quoi? Nous, on va vendre là-bas, mais on va trouver une solution qui arrange tout le monde, hermano. Je vous écoute. Ben, déjà, après, vous avez de la drogue, vous, c'est ça? Possible. Vous êtes déjà buvant, donc c'est pas possible, soyez franc, il n'y a rien caché là. Donc, est-ce que vous seriez intéressé, du coup, messieurs? Par votre drogue? Ouais. Tout dépend le produit, déjà, vous avez quoi? Nous avons de la méthamphétamine, monsieur. Oh, incroyable, hermano, vous entendez? J'aime bien! Vous avez à combien, seigneur? C'est à 140 le pochon. Ça va, collé, hermano? Ça va, tranquille. Tranquille, refé. Tranquille, perfecto. Mais c'est qui a le num de l'Ojibalas, là? Pas moi. Je crois qu'il est dans la nuit, Réfé. Je vous dis ça. J'ai un imbalas, j'appelle. Oh, allô? Oh là là, c'est qui là au téléphone? C'est quel balas? Là, c'est le bras droit, boy. C'est parfait, toi. Il y a moyen qu'on joue avec ton Odila. Oh ouais. Ah, je fais passer le mot, je te dis quoi? Ça marche, perfect. Tu dis qu'on se voit? Ouais, le réflet des Aztecas, il veut te voir. Ok, c'est le réflet des Aztecas, ok, bah attends, bouge pas. Voilà, tu le dis comme ça, c'est pas. Il y a le réfé Azteca, il demande si on peut les voir ou pas. T'es ok, cerné, il m'a dit mot pour mot, c'est pas ta pute, t'as failli te faire foutre. Eh, moi je vous mets deux balles. Ah, pourquoi? Je sais pas. Pas deux, le mot. Pas deux. Il a dit quoi? Qu'on n'était pas ta pute et que t'allais te faire foutre. T'es sûr? Demande-lui s'il est sûr. Il a dit s'il veut vraiment te voir, il te tombera dessus. Allez, big up. Ça marche, perfecto. Armez-vous, les hermanos. On va chasser le balas ce soir, encore. C'est bon, c'est déjà fait, refait. Je lui ai dit un rendez-vous, il m'a dit, on n'est pas ses putes, que je sais pas trop quoi, et en gros, il m'a mal parlé, on va lui baiser sa mère. Allez, les hommes. Et là, ce soir, vu ce qu'il m'a dit, moi, je lui ai dit, je veux parler, il m'a dit, non, c'est pas nos putes. Et il veut pas nous voir. S'il veut nous voir, ben il nous attrape. Ok. C'est la guerre alors, hein. Moi je voulais parler, ben tant pis pour lui. Vas-y, sortez les couchers, par favor. Ah, c'est dommage là qu'ils refusent la scène parce qu'ils veulent défendre leur labo, mais. Bon, moi ça va leur faire chier, hein. Si je les croise, je les attrape, hein. Labo, pas labo, ça m'en bat les couilles, hein. Ouais. Et du coup, vous êtes bien sûr, hein. Écoute, si tu veux plus d'explications, appelle le Oji. Bah, envoie-moi son numéro, par favor. Putain, c'est quoi le numéro du Oji, les mecs? Retenez le chat. Ah, si tu dois un faux RP, j'ai rien dit alors. Attends, bouge pas, on va me le donner. Ça marche, perfecto. Ouais, mais bien sûr, Caribou, je sais qu'hier c'est mal passé. 431-896. Ça marche, gracias. Eh, vous avez noté ou pas? Gracias, hermano. On a perdu Joachim, il a préféré se donner qu'on parte à 3. Ça? Bah, j'ai pas entendu la radio, pardon. Oh! Oh là là! Ah! Ojibalas! Parce que ouais, il a fermé ouais, sa quoi. Prime, moi, du coup, je peux pas. Et ce soir, y'a pas moyen qu'on se voit pour parler. Écoute, plus moi tard, je. Ou quoi. Écoute. Je vais te dire un truc, mon petit réfé chauve avec des petits bras. Dis-moi. Alors, je vais te dire quelque chose. T'as voulu t'attaquer au lion directement. Eh ben, le lion, il va rugir, il va te péter la gueule. Big up ma gueule, c'est plus le temps de parler, attends. Le temps de te faire péter le cul. D'accord. Et les hermanos, ils sont déterminés, hein. J'ai encore appelé parce que je voulais parler. Il m'a dit, t'as voulu t'attaquer au lion, le lion il va rugir, il va te péter la gueule. Et... Après, faut pas dire si je veux pas parler. Hein. C'est parti, hein. Dès que tout le monde est là, armez-vous et on va les chercher avant qu'ils nous cherchent. Vas-y, tout le monde se disperse, les hermanos. Et dès que quelqu'un croise quelque chose d'intéressant, il donne l'info. Ok, il y a un truc qui se passe, les gars.
cousin. Je vais faire 6, c'est ça, Rafale, Balas. Balas qui tire, je pense. Pas avec... non, pas sur moi, je sais pas avec qui. Vas-y, on va à côté. Tout le monde se rassemble, on va à côté, mais on n'intervient pas. Tu veux faire quoi, Rafale? On fait rien, on attend. Là, de toute façon, on peut pas s'en mêler. Hein. Vas-y, tourne la moto, vas-y, tourne les côtés, ça sert à rien. On va pas ramasser les miettes, elle est pas des merdes. Voilà, venez, nous on va faire les graines, hein. On sert notre truc tranquillo et voilà. Et chez le médecin, là, mais après il arrive. Il faudrait vraiment que le brûle ce champ. Il faudrait qu'on fasse un nouveau champ parce que là il est trop près de chez eux. Mara, ça arrive. Mara. Attendez, ça arrive. Ça arrive, allez, derrière. Venez tous, les deux là. Trois, Joaquin, venez. Aïe. Sa grand-mère. Je peux pas, j'ai trop de sur moi. Aïe, sa grand-mère, je me suis déchiré. Doucement, calmez-vous, par la gauche. Aïe, sa grand-mère, par la gauche, j'ai dit par la gauche. On arrive. Allez, Armando. On arrive, il contourne. Venez. Paquet. Revenez, remontez. Vous voulez les coacher? Ah, tous au niveau des coachés. Ils sont dedans. Ils ont deux otages. Vas-y, ça sert à rien, Je vais négocier. Baissez vos armes, je vais négocier. C'est qui ces mecs pas vifs là à l'intérieur? Tranquille, on s'en fout. C'est pas grave, tranquille. Ils ont pas eu le temps de jeter, c'est pas grave. Joe, reviens. Ok, y'a le refait des marins qui vous dit que si vous touchez un de leurs coachés, on va passer un sale quart d'heure. Dis-leur que je m'avance pour parler, qu'est-ce qu'ils veulent? Reculez les autres, reculez. Et baissez vos armes, rentrez vos armes là. Vas-y, tu peux y aller, Arifé, tu peux venir. Intéressant. Laissez pas Arifé tout seul, Arvaro. J'aime bien. Que veux-tu, Arvaro? Que veux-tu pour récupérer mes hommes? Dis-moi. Mais c'est pas qu'est-ce qu'il y avait, c'est que là, tu es sur mon terrain, non? Ah, c'est un peu le terrain tout le monde, Armando. Mais sauf que moi, il les revendique parce que, on va dire que je suis un peu gourmand, tu vois. Si, Jimmy. Bon, je pense que vous auriez fait pareil si on était sur place, non? Tout à fait, bien sûr, c'est le business. On vous pareil, exactement la même chose. Bah écoute. Vous avez été plus vif, bravo à vous. Bien sûr. Tu sais ce que tu vas faire? Dis-moi. Tout ce que vous avez pris, vous êtes là depuis combien de temps entre nous? 5 minutes je crois. Regarde, fouille. J'attends de fouiller. Non, tranquille, pas besoin. Bah écoute, vous êtes là depuis 5 minutes, on va faire une petite cargaison et on termine, on te rend des herbes, d'accord? Sinon, prends un burrito plein et voilà. Mais tu viens de dire que tu viens d'arriver, vous avez pas eu le temps de remplir quoi que ce soit. Si, il y a un burrito plein là à gauche. Ok, on va prendre un burrito plein et on va. Voilà. Vous allez partir et on va continuer à faire. Ça marche, perfecto. Vas-y, prenez donc. On te les met par terre ou. Oh, je te demandais juste que vous reculez, vous mettiez bien à côté du silo là. On va sortir juste ce burrito qui est devant, d'accord? Ça marche, l'herbe. Et après, on le reste là et on le. Vas-y, reculez, par favor. Allez au silo. Tu m'entends? Ouais, on t'attend, François. Aïe! Ils ont attrapé qui? Adéric qui? Dégagez la voie pour. Dégagez nos véhicules par favor, touchez pas les leurs. Mais ils vont le fouiller, ils vont pas le prendre. Hein. Ils vont prendre ce qu'il y a dedans, ils vont se casser. Et Baldo? Je vais reculer leur côté pour faire un passage. Ils ont été vifs. Et c'est pour ça, ils sont trop. En fait, c'est trop près de chez eux. C'est pas grave, tant pis. Hein. Il est fermé là, tout à l'heure, j'ai fermé à clé. Tant pis pour nous, les Armano, on avait 4 plus vifs. Mais t'inquiète, je l'ai fermé. Comment vous êtes tombé? C'est trop marrant comment on est tombé. Baldo, t'es vraiment une merde. Vous êtes vraiment des merdes, hein, les deux pas vifs là. Baldo, je t'avais dit que t'étais une merde. Hein. Tombé, bonne de. Ouais, c'était trop marrant, voilà. Vas-y, décalez les coachés, par favor. Du coup, c'est bon, vous avez pris, c'est servi. Le moule vient à gauche, on le prend. Il y a un Herbano à terre là-bas, un peu plus loin, il est renversé ou quoi, récupéré dans une coche. Le moule à droite, il est rempli ou pas? Il y en a 150 dedans. Mais tu m'as dit que 5 minutes, vous êtes rapide. 5 minutes, mais on est 10. Ouais, c'est vrai, tu n'as pas tort. Bon, est-ce que vous avez vidé le moule là?
prenez vos côtiers et commencez à partir. Nous. Si. Vas-y, prenez les côtiers et partez là, Herman. Allez, remontez dans les véhicules de base. Prends ton burrito et tes Hermanos, ils vont monter avec toi, d'accord? Ça marche, perfecto. Pas tout. J'ai honte. Les refs, on peut pas tout en gagner, wesh. Nous, on était trop chill. Et ils étaient déterminés, et voilà, parce qu'ils étaient vifs, déterminés. Nous on était trop chill, on rigolait. Il y a un moniteur qui manque dans les deux burritos là, enfin le burrito là-bas. Hein. Oh. Le réfé, on se retrouvera sur mon fertilisant tout à l'heure. Hein. Okay. Ah, tout à l'heure. Mettez ton hermano dans bon, ton côté. Monte. Eh, hey, crâne d'œuf. Saloué, c'est qui qui t'appelle comme ça? C'est toi, Guépard. Cool. Il monte avec ton réfé là. D'accord. Bande de merde que vous êtes. Alors si on les saigne pas dans pas longtemps. On a 1000 graines et 1000 fertilisants, on fait quoi? Ah, on a plus besoin en vrai. Attends juste qu'ils y aillent, on attend juste qu'ils y aillent on les tape. Hein, voilà, vas-y, objectif là, prenez des bonnes voitures, on va taper sur le fertilisant les graines. Oh là là, la jet set. Oh là là, c'est quoi les... Monte dans le maison. Non, pas ici. Attendez, on va parler avec eux. Tant mieux, parfait. Aïe, sa grand-mère m'a bébé. Fuck les hops. Ne suivez pas, on va juste au quartier. Oula. Fuck les hops. C'est quoi, c'est la Gay Pride, c'est ça? Gay Pride, fuck les cops. C'est quoi le cinéma pour rien là? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le patron? C'est quoi là? Vous faites quoi là? On fait quoi là? On sort de l'hôpital, on vient de défendre nos biens et on est content, tu vois. Jure, contre qui? Les bagous. Mais faut que les hops. C'est dommage. Tu défends contre les bagos, mais contre nous, y'a personne, hein. Pourquoi tu danses comme ça? Gazon. Je danse comme ça parce que je sors de l'hôpital, mon boy, tu vois. Eh mais ça tombe bien, hein, vu qu'on n'a pas réussi à se voir, parce que vous étiez occupé, ça tombe bien qu'on se croise. Je devais te parler, vous voulez pas qu'on se décale ou reste là, comme vous voulez. C'est juste pour parler, Herman. Donc les cops. Bah attends, ici c'est pas vraiment le moment, on attend nos frères qui sortent de l'hosto. Ah bah on va parler maintenant, parce qu'on n'arrive pas à savoir. Et à moi dans 10 minutes. Je récupère les miens, on se voit où c'est vu la fois passée là. C'est vu où? Vas-y, le temps que les plats. Dans le canal. Dans le canal. Perfecto, ben dans 10 minutes là-bas, okay. Soignez-vous. Ouais. Les hops. C'est quoi les hops? Les hops. C'est quoi ça? Et c'est pas grave. C'est la morphine, il est défaussé, laisse-le. La morphine, c'est la morphine. Ah, les cops, la guardia. T'es londonien, la drill, tout ça? Moi, non, je suis pas londonien. Force à vous, hein, j'espère que vous allez pas tous mourir maintenant, hein. J'espère que tes hommes ils vont survivre. Et vous, laissez-moi tranquille. Plus du balai. Allez, laisse-le, t'es d'angoisse. Allez, plus l'alcool, lui, plus de la gueule, faut. Laisse-le tranquille, Armano. La seule chose qui est mauvaise, c'est parce que t'as le nez trop près de la bouche, boy. Merci, monsieur. Ouais, boy. Allez, rentrez, calmez-vous, rentrez. Et danser les soins. Allez, on va les voir dans 10 minutes là pour régler le truc. Vas-y, sors pas ça comme une chiquette. Allez, Armano, vamos. À gauche, descendez à gauche. Tu la fermes aussi. T'étais à côté de moi quand tu dansais. Ceinture, ça va. Allez, on part de l'autre côté. Merci beaucoup, Yami Color. Cortésia, voilà, j'ai enfin le badge vert qui dit que tu fais quoi maintenant sur la côte. Merci beaucoup, Yami Color. MTURTUZDIA, voilà, j'ai enfin le badge vert qui dit quoi, qui fait quoi, MTN sur la. QURTZAQURTEL. Oh là là! Ouais, pas de panique, il arrive. Non, on panique jamais, non. Non, panique. Du coup, vous êtes embrouillé avec les balas, c'est ça? Avec les familles, les vagos, c'est ça? T'inquiète pas, Jim, il va t'en parler, t'inquiète. Ça marche, perfecto. Laisse-moi faire une bataille de regard. Une bataille de regard? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Mets tes lunettes. Mais tu me veux quoi, là, frérot? Ouais, mets tes lunettes. Mets tes lunettes. Viens sur le côté. Mais faites une bataille de regard. T'as de la chance. Bras droit, là, s'il vous plaît. Bah ouais. Je suis en pause syndicale, baston. T'as bien raison, hein. Oh là là. On va chercher une dernière à l'hosto. Ça marche. Bien le bonjour, monsieur le patron. Ça va quoi? Ouais, ça va, Réfé.
Ça, moi ça va, mais vous avez l'air mal en point, hein. Et vous arrivez quoi? Ben écoute, boy. Les vagos s'attaquent, hein. Sure, les attaques, eux, ça arrive. Ouais, t'écarte pas, ils savent mordre fort, ils risquent de te choquer. Tu sais, au début, je les sous-estimé aussi. Et puis un jour, ils m'ont montré de quoi ils étaient capables, tu verras bien par toi-même. Et tout le monde a les gros, hein, monsieur Logi Balas, tout le monde a faim, hein. Ouais, je vois ça, ouais. Du coup, il s'est passé quoi hier avec mes hermanos? J'ai entendu dire que c'est parti un peu loin. C'est passé ce qui s'est passé, boy, hein. Dis-moi, je n'étais pas là, moi. J'aimerais entendre de ta bouche, j'ai entendu leur bouche, j'aimerais entendre de chez vous, non? T'aimerais entendre quoi? L'histoire? Ouais, ce qui s'est passé, pourquoi c'est... Il y a eu des miens blessés et des tiens blessés, à ce que j'ai entendu. La perte de plata des deux côtés, j'aimerais bien savoir, quoi. Gros, ce qui s'est passé, c'est... On est au fertilisant. Tes boucs, ça arrivait. C'est braqué, contre-braqué, des maras sont venus dans la partie. Incroyable. On rebraquait tes mecs, j'en ai profité pour prendre la fuite. Tous mes bougs est tombé d'une voiture, on a fait demi-tour, on a été touchés. Ah là, il va pas aimer, hein, ce qu'il nous a rattrapés. On est descendu d'une camta, on les a braqués, à tes bougs a fui dans une voiture, mon tonton derrière a voulu crever les pneus et c'est parti en couille, tout simplement. Ah là là. Tu vois, l'histoire est simple, hein. C'est une histoire simple, hein, c'est le business, quoi, le fertilisant. C'est une histoire simple, mais c'est une perte d'argent, ouais. Mais une perte d'argent des deux côtés, hein, tout à fait, mais bon. On sait dans quoi on s'est engagé, monsieur Logi Balas. C'est, voilà, c'est un chemin délicat, mais voilà, c'est la vie. Merci beaucoup les frères, attendez. Et j'aimerais te parler d'autre chose, moi, par contre. Oui. Voilà, tu vas pas aimer ce que je vais te dire, hein. Oui. Mais j'ai quelque chose à te proposer, en tout cas. Oui. Oh, c'est quoi ça? Et la moto guette, c'est quoi ça? La guardia à la Mesa. Ouais, ça doit être... Du coup, nous on va pas te mentir, monsieur Logi Balas, que Vinewood ça nous intéresse. Ouais. Mais il y a bien un mais dans tout ça. On peut trouver un compromis. Pas de compromis. Ah, écoute-moi avant de dire pas de compromis, Herman. Écoute. Tu me parles de mon terrain, moi je te mets une barrière directe. Il y a pas de compromis. D'où tu rentres dans ma maison et tu me mets des compromis T'es fou, toi, en fait. Avant d'être ta maison, c'était la maison de quelqu'un d'autre, et vice-versa. Ouais, mais ça fait bien longtemps que j'ai les clés. Voilà, ben il est peut-être sans changer de propriétaire, non? Mais c'est pas ça, laisse-moi terminer, Armano, Ouais. Ça marche, perfecto. Vas-y, on revient. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on te laisse Vinewood. On arrête d'aller vendre là-bas, on arrête de se taper dessus. Pour toi, c'est bien, parce que ça t'appartient. Mais, contrepartie, vous nous laissez la casse, comme c'était à la base. La casse? Si. La casse. Tu veux la rue qui fait un espèce de bouc là, c'est ça? La rue, ouais. La rue en Vendée. Où il y a le camion de tacos là, c'est ça? Voilà, cette rue là. Souvent garé. Voilà. Où t'as fait une transpercée avec un. Ouais. Voilà. Le pompilante, les Maduels et Speedy, c'est moi qui te fais transpercer aujourd'hui, karma. Voilà, un retour de bâton, hein, monsieur Logi. Ça s'appelle le karma. Ouais. Voilà, on est prêt, parce que mes hommes, je vais pas te mentir, ils voulaient Vinewood, hein. Mais voilà, je suis prêt à leur dire, mais comprends pas Vinewood, si tu nous laisses la casse, un petit compromis. Et on viendra pas. Les grands, venez derrière, deux secondes. C'est perfecto. Voilà, on essaie de faire du RP en proposant des trucs. Sinon, vous, ça va, tranquillo? On a d'autres, c'est comment drill, là. Ils sont grave gagnants dans l'histoire, je sais, mais Yamikoler, le but n'est pas de... C'est toi le UK Driller. Le but c'est comment, petit à petit, on récupère la casse, on récupère Little Seoul, on récupère bien vu, et petit à petit on va manger. Et personne va nous voir manger. Parce que là on récupère la casse, c'est eux qui l'a réclamé, nous on la récupère à eux, et on va manger petit à petit. Bien entendu, va arriver un temps où on va demander la Playa, on va demander Bahamas, on va demander des grosses zones, mais petit à petit. Vas-y, dis-lui, stab les hops. Je te stab toi-même, bâtard. J'ai pas compris, eux ils prennent rien, Donati. Le seul truc qu'ils prennent, c'est qu'on attaque pas Vinewood. Gir Maroki, bien vu, mon ref. Eux dans l'histoire, ils prennent rien. Et nous, on prend la casse. Mes yeux, bâtard. Voilà, très frère et notre, faut manger doucement, mais sûrement. Voilà, c'est ça que je dis. En gros, petit à petit, on va manger et on va contrôler du territoire. Là, Vinewood, c'est bien pour vendre. Mais frère,
tous les jours on va se tirer sur 20 août, c'est pas pour nous comme pour eux, on va pas apprécier. Et là on a, regardez, on a 3 points de vente pour l'instant. T'as dépassé le golf, fais le bon. Les PV du... On peut pas, y'a mes couleurs, je leur ai dit que qu'ils sortent pas les PV de gunfight, tout ça. Et jure, on est à combien là? Putain, il manque que les contributions. 10 contributions, ça aurait été une dinguerie. Vraiment, 10 contributions, ça aurait été vraiment une dingue. Ils vont rien comprendre. Petit à petit, tout intelligemment, on va manger. Je crois au bout d'un moment où on va être tellement puissant qu'on va dire les frères. Eh, maintenant, c'est à toi de lâcher Vinewood, mon ref. 10 contributions, tu dis que la pop. Je peux pas, Yamicolor, j'ai mis une règle qu'on met pas. Je vous montrerai après. Ça va quoi, les petits là, des balasses? Vous parlez pas beaucoup, hein? Qu'est-ce qui est pas ça? Ils sont timides. Vous aussi, vous parlez pas beaucoup, d'habitude les latinos, oh tout le temps, t'es là, ouais, clairement, ouais. Là, ouais, la vie de ma mère. Et nous, aujourd'hui, on est revenu prendre la casse, hein, c'est... on a parlé. Hein. C'est ça, hein? Bah, vous allez avoir une réponse. Mais parfait, toi. Et ça, si on a la réponse, on va bien s'amuser ce soir. De quoi, avec ta coupe de... Aucun secret. Pression, ton nom. Bon, écoute. On a juste une condition. À la casse, il y a les putes de tonton qui travaillent depuis un moment. Si, dis-moi. Ouais, les putes de tonton. Regarde, tu vois, ça c'est tonton. Enjoté, enjoté, c'est... monsieur, enjoté. C'est le mac de Jess. C'est lui qui gère les putes sous les ponts. Ça marche. Okay, c'est moi, le plus gros mac de la ville. Tout à fait, Jess Pimp. Ça se voit, ça se voit. Du coup, si t'as besoin d'une poufiasse et d'une limousine, on te les amènera, mais ça c'est notre business. Écoute, tout ce qu'on te demande, c'est de bien traiter les filles en dessous, carré. Tu vas pas avec tes grottes machettes et. Ah, voilà quoi. Non. Tu n'es pas de morpion. Hein, parce que... Non, hey, c'est un territoire. Hein. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de la plata. Si on fait cuire, on fait cuire, fuir les femmes. Ouais, tu vas pas croire que tes petits vont pas coucher avec les filles. Arrête. Non. Des vrais toxibars en plus. Justement, c'est pas nos connaître. Regarde, regardez. Elles sont quoi les femmes pour nous, les manons? Impures. C'est impur, les femmes. Faut pas le parler comme ça par contre, c'est des poufiasses mais c'est des employés de rue quand même. Oui, non mais monsieur, je suis d'accord, hein. Mais pour nous je parle, pour nous les Aztecas, les femmes ils sont impures, pour vous, ben, ça peut être ce que vous voulez, mais nous voilà. Je te rappelle, c'est pour nous c'est nos coutumes. Vos employés. Toutes les femmes, hein. Bien pas cela. Votre perruque vous les laissez. Hein. Voilà. Du coup là, on accepte de respecter vos femmes, il n'y a aucun problème. C'est pas nos femmes, c'est des prostituées qu'on a fait travailler contre du cucra. Oui, tout à fait. Hein. Ah bah oui. Hein. Et voilà, et nous, je te garantis que aucun de mes hommes vont mettre un pied sur Vinewood pour vendre. Vas-y, carré. Voilà, c'est parfait. Carré. Voilà, on s'est mis d'accord. Qu'est-ce que je veux? Il y avait d'autres cas à rajouter. De notre côté, non. Tout est clair. Après voilà, pour l'attaque de hier, il faut comprendre que c'est le business, on vous en veut pas. Ouais, on a perdu des hommes, écoute, vous avez perdu des hommes, c'est la rue, hein. Écoute, est-ce que tu m'as vu te sonner ou venir quoi que ce soit? Non, c'est la rue, boy, tranquille, voilà, ça arrive. C'est le fertilisant. Ça arrive et ça arrivera encore, de toute façon. Voilà, perfecto. Et j'aimerais parler d'un truc, là. C'est ouais. Secret, c'est lequel ou pas? C'est Spider. Ah, ouais, d'ailleurs, Spider, il est où? Moi. Ouais. Dis-moi, Spider, hier, quand t'étais entre les mains des deux gars, t'aurais pas mis un peu de cam dans tes poches, mon grand? Ah, branler, franchement, sois honnête. Quand il y a 30 mecs calibrés autour de moi, j'ai pas que ça à faire que de voler des trucs, mec. Écoutez, franchement, il nous a donné une réponse. Franchement, je vais vous dire un truc, les boys. Il y en a 2-3 qui auraient été peut-être capables de le faire. Mais lui, ça te met plus. Des mecs les plus loyaux que j'ai depuis le début, ça m'aurait étonné. Franchement, il fasse ça avec autant de mecs autour de vous. Après, pour toi, Odile est loyal, mais nous, on s'est posé la question. Hein, autour ou pas, on était tellement distrait par autre chose, il aurait pu, hein, c'est pas non plus. Ouais, il aurait pu, hein, c'est pas. Après, moi, il m'a expliqué l'histoire avec les deux guns. Moi, je vous dis quelque chose. Les deux guns, ils ont déjà baisé sur une cargaison, qu'avait pas la totalité. C'est typiquement signé deux guns. Hein. Faut savoir avec qui vous faites des affaires aussi, hein, moi je vous dis. Tout à fait. J'aimerais juste vous dire un truc, c'est que. On revendique Little Soul, hein, ça vous pose pas problème, j'espère. Non, aucun problème. On revendique aussi autre chose. Le quartier au haut du cimetière, là où vous êtes tiré dessus avec les vagos. Ouais. Où il y a la grande tour. Il y a un parking à côté, on revendique ça aussi pour vendre. Le parking qui longe la fête foraine, tu vois, juste en haut de la fête foraine. Là où t'as tiré avec les vagos là ce soir. Ouais, c'est un peu le territoire des vagos, ça, c'est comment dire. C'est. En fait, je t'explique, si c'est pas chez nous, j'en ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux, boy. Mais hein. Non, mais je te dis comme tu ça. Tu sais, je t'explique, alors moi j'ai un. Quand t'es bébé, je peux pas dire. Tu vois?
2 à la limite, le reste ça appartient aux autres boys, j'en ai rien. C'est pour ça, je savais pas si ça t'appartenait, y'a quoi qui t'appartient déjà? Non, écoute, je vais t'expliquer sur toute la plage, si tu veux savoir, t'as les marins, ok? Hein? Mais sur, sur tout sur tout côté Bahamas, t'as les Vagos. Après, juste à côté, à côté de vous, vous avez les Faminis, que vous allez pas tarder à voir. Et au-dessus, nous on a Vinewood, c'est tout, boys. Ce qui se passe sur les autres terrains ne m'intéresse pas. Non, mais je pensais que. Que si, pour. Ah non. Franchement, moi je te le dis, j'étais peut-être de l'air d'un homme gourmand. Moi je tiens mon Vinewood depuis un moment, je suis mon business là-bas, je me cache pas. Mais c'est tout. Voilà. Ça marche, j'ai un autre truc à rajouter. Et là. T'appelles comment déjà, senior? Démon. Et c'est quoi cette merde démon que j'entends? Tu veux. C'est quoi que tu cherches? Tu veux la guerre jusqu'à la mort? C'est quoi cette histoire? La guerre jusqu'à la mort. Tout à fait. C'est quoi cette histoire que j'entends que tu vends dans ton four à Vinewood? Tu vends des 100 grammes de bœufs à $30 le gramme. Explique-moi. Là, Mais t'es un fou, toi! Mais t'es un malade! Tu crois que... Mais putain, j'ai... T'as bien vu, boy, je suis afro-américain, hein. Je suis pas une triade ou quoi, ma gueule, hein. Moi je travaille pas pour R, hein. Hors de question, hein. T'es un ouf, toi. Ah, je sais pas, hein, c'est... Réclamation au rayon de Chine, réclamation. Ouais, voilà, réclamation, tonton. Ah mais je sais pas, moi j'ai des clients à vous qui sont venus me voir, ils m'ont dit. Ils m'ont dit que vous leur faisiez des gros lots à moins cher. On fait des problèmes dans le service après-vente. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose qui... Appelle le service après-vente. Merci beaucoup, bien vu, merci beaucoup, bien, merci. Non, écoute, je vais te dire un truc. Nous, on fait rien en dessous de $60. Et je vais te dire encore quelque chose, c'est un tarif qui avait été posé à l'époque par le cartel, par le seigneur Madrazo. Toi, tu l'as pas connu. On avait une grosse réunion à l'époque où tout le monde devait s'aligner à ce tarif-là, sinon tout le monde se rentrait dedans. Ça marche, mais moi ça me convient. Ça, c'est au courant, tu vois. En fait, normalement, il n'y a rien qui doit tourner en dessous de $60. Si vraiment c'est un client fidèle ou quoi, tu peux lui enlever en $2, mais si jamais ça se rapprend par les autres gangs, etc., tout le monde vous tombera dessus, c'est pareil pour nous, j'aime on n'est pas suicidaire, boy. J'aime bien. Moi je suis d'accord avec ça. Tu crois que je vais vendre pour heure? T'es malade ou quoi? Il était incroyable, ce seigneur Madrazo là. Le seigneur Madrazo, il était incroyable, moi il lui donnait du taf, maintenant je me gratte les couilles. Moi j'avais entendu que c'était un fils de pute, ce seigneur Madrazo. Ouais, pareil, j'ai entendu que c'était un gros fils de chien. Ouais, c'était un der, je crois. Il parlait comme ça, hola hola todos. Oh, je me souviens toute ma vie. Il est passé où celui-là? Merci beaucoup d'aimer Milias, mon ref. Incroyable. Du coup, c'était parfait, hein, moi avec ça, j'avais entendu cette histoire. Moi j'ai entendu dire qu'il a fait des gros kidnappings et des grosses prises d'otages, et sacré moi j'ai dit. Ta mère, toi. Juge-le, non. Tu le connais, c'est ton père ou quoi? C'est bon, si on est carré, voilà, après fertilisant graines, ben on s'attaque, hein, c'est le business. C'est ça, c'est le business, boy. Vas-y. Perfecto. Bah, allez, Armano, on vous laisse. Allez, je vais pas vous proposer des combos aujourd'hui, les boys, parce qu'on n'est pas en forme. Ah, ça va être trop facile pour nous, hein. Ça va être trop facile pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fragile, toi? Hein? Non, mais écoute, demain, 18h, parking rouge tous les deux. Ça marche. Jure, rendez-vous tête à tête. Vas-y. Ouais, Armano, ça va, gros. 18h, ça y est, Baldo, il est jamais là, tranquille. Attendez. Allez, on enchaîne. Son tour, il avait besoin d'un truc, on y va.